Je vous ai apporté de quoi grignoter. Donc sur le dessus, vous allez retrouver une brioche feuilletée au blé noir. Et juste en dessous, en souvenir d'enfance du chef, une galette saucisse au cèpe à déguster en une bouchée sous vos doigts. Et pour accompagner ce pain feuilleté, vous allez donc apporter un beurre à base de la truffe mélanosporum, qui est une truffe noire. Bonne dégustation à vous. Torte de pain, donc un pain tradition et un pain bûcheron de l'Angers, le pain du coin à Guerre. Pour l'accompagner, une huile d'olive ainsi qu'un beurre fermier demi-sel de la ferme des Écotomes à Guerre. Bonne cotisation. Butez votre voyage, vous retrouverez les tagliatelles à la truffe blanche, escalope de foie gras poêlé, chips de courge, truffe noire mélanosporum et je vous sers le bouillon de champignons. Bonne dégustation à vous. Donc, vous retrouvez la Saint-Jacques snackée, galette de blé noir, c'est un souvenir d'enfance du chef puisque sa maman était crêpière, caviar royal prétrocian, mousseline de pommes de terre fumée et sucrine. Bonne continuation. On retrouve cette fois-ci le saumon cuit à la vapeur, betterave, une huître sur le dessus qui est donc qui a été pochée, servie juste tiède, beurre monté au curry. Très bonne continuation. Enfin, pour patienter, je vous ai apporté donc les pommes croquettes à manger du bout des doigts. Donc faites attention, c'est un petit peu chaud. On a rajouté un peu de truffe râpée sur le dessus. Voilà, bonne dégustation. Et donc, pour continuer votre repas, donc voici la poularde de chez Arnaud Salvo à Guerre, avec des tagliatelles de céleri à la truffe, chips de salsifis et une sauce au vin jaune. Voici, bonne dégustation. Alors, je vais vous présenter donc le plateau de fromage. Donc ici, vous allez avoir donc les fromages de chèvre avec le motet, la bûche de chèvre cendrée de bain de Bretagne, la bonde de Gâtine et la tome de chèvre au chouchène. Ensuite, ces trois-ci, ça va être donc les fromages de brebis avec le galet de bain de Bretagne, les barguis et le brin d'amour. Ensuite, donc, on va sur les fromages de vache avec le camembert de Normandie, le langre, le Saint-Félicien, le comté, la tome de Saint-Martin-sur-Oust, le Kerblochon, le bleu de Gex, et le 4 vaches qui nous vient de Suisse. Alors madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Breton, alors on a le galet de bain de Bretagne, on a également donc, le brebichon, le tombe de Saint-Martin. C'est plein de sucré. Oui, excusez-moi. Sucré. Sucré. Compagnie du vinaigre. Pour terminer votre voyage, vous retrouverez pour commencer tout en fraîcheur, le pamplemousse, meringue légère, crème légère à la vanille et miel. Vous avez également juste à côté une déclinaison autour du chocolat et du nougat. Je vous invite à commencer par l'assiette principale puisqu'il y a un sorbet pamplemousse à l'intérieur. Je vous parle le chariot de Millard. Donc deux hommes pour commencer, le moelleux au chocolat. Juste à côté, la crème amande amère. Le florentin amande caramel. Le financier. Le diamant au chocolat, ainsi qu'un chou crème vanille cacao. Et juste à côté, un baba crème légère à la vanille, accompagné d'un rhum El Pasada en 0 de Guatemala. Ce sera tout pour monsieur ? Ah oui. Et je souhaite une bonne cotisation à vous. Et en fait, si vous voulez, c'était une cuisine de crêperie ici. Donc, au tout début, l'étoile, on avait deux feux vifs et une galettière. Et je réchauffais les cassolettes sur la galettière et avec les poêles, Et là, on a refait les cuisines au mois d'avril avec deux postes, un poste à poisson, un poste à viande et un poste pâtisserie. Et donc, la viande. En fait, j'ai ça parce que j'ai pas beaucoup de sauce. Les jus, ouais. J'essaye que chaque plat ait une sauce différente et une cuisson différente. Voilà. Et donc ça, c'est vachement pratique parce que avant, on faisait beaucoup de gamelles, ça évite de nous casser un peu le dos. Non, mais c'est très bien. Voilà. L'ail entière comme ça. Et puis après, on lève